Colors weave into a spire of flame. Distant sparks call to a past still unnamed. Fire this torch against the cold of the night. Set your soul and reawaken the undying light. Eh bien, salut à toutes et à tous, les amis. C'est Paradox, et on se retrouve pour ce tout nouvel épisode de notre aventure sur notre tout nouveau let's play de Kenna Bridge of Spirit. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. On se retrouve du coup pour ce jeu qui va être incroyable, j'ai hâte. J'en attends vraiment beaucoup de ce jeu. Vraiment, vraiment beaucoup. Genre, je crois que vous pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai fait un overlay en long lien. J'espère en tout cas, franchement et sincèrement, que ce jeu ne va pas me décevoir. Franchement, pour faire très simple, on en a vu beaucoup de bonnes annonces. J'en attends vraiment beaucoup. C'est un jeu, voilà, avec les petits êtres noirs que vous voyez juste à côté d'une nouvelle partie. Et on perd pas de temps, on démarre tout de suite. C'est parti. Les masques du bois uni qui sont taillés pour honorer les morts. Placés dans les sanctuaires sacrés, ces masques retournent progressivement à la poussière, symbole de voyage paisible de l'âme vers la vie suivante. Certains esprits peinent à emprunter le chemin par eux-mêmes, luttant contre eux et les tragédies de leur passé. J'ai pas eu le temps de finir. C'est de la cinématique, mais c'est magnifique pour le moment. Tiens. Oh putain, c'est beau. Ok. Wow. Ok, donc je pense qu'on est au contrôle de Kenna. Et on peut double jump. On peut faire ça. Okay. On peut taper comme ça avec une gâchette qui est quand même assez dure. C'est vrai que maintenant faut préciser. Alors, très bizarre, ça va se voir. Cette gâchette est quand même assez dure. Est-ce que celle-là? Pas du tout. Après ça se verra. Ok, bon. Du coup on est parti, je pense qu'on est au contrôle du coup de Kenna. Je teste un petit peu les boutons histoire de voir. Ok. Là, graphiquement c'est magnifique. J'espère en tout cas, du coup, les gens, que ce let's play va vous plaire. Pour ceux qui demanderaient par rapport à Spyro, du coup, Spyro va passer le soir à 20h15. Donc voilà. Et on prend un kiff sur ce let's play et me saoulez pas. Ok, j'ai trouvé comment sprinter. Et me saoulez pas, on va kiffer ce jeu depuis le temps que je l'attends. Honnêtement, bon, j'ai déjà parlé vite fait dans Spyro, mais j'en attends beaucoup de ce jeu. Et vu les impressions qu'il m'en a fait, ça peut être l'un de mes jeux préférés. L'ambiance est magnifique. Wow. Ok, donc on peut nager. Je sais pas s'il y a des choses à trouver. Il y a des collectables et tout ça. Je sais pas. Alors, je peux pas rentrer là. Je
Là, la porte s'est ouverte. Ok, donc notre pouvoir a l'air d'avoir des compétences assez particulières. Je sais pas trop trop ce que c'est. Ça nous a parlé des morts. Donc est-ce que ce serait pas en lien avec justement les morts? Je ne sais pas. Why have you come? I sense suffering here, spirit. Do you need help? You know nothing of suffering. This is my home. My village. Turn back, spirit guide. Guide des esprits. Ok. Appuyez sur R1. Attaque légère. Ou attaque lourde. Ok. 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 Ok, on a un système de vie. On rompt pour esquiver, ok. J'ai pas... On n'a pas de système de lock pour le moment. Ah, on a obtenu des trucs en haut. Je sais pas ce que c'est. Ok, et donc ça, on rappuie, je pense. Non. Par là. J'essaie de regarder. On n'a pas de mini-carte. Pas de mini-map, pardon. Là, on peut pas y aller. Ok. Wow. Pardon. Ok, donc on a ouvert la moitié de la porte. Oh, regardez-moi ça graphiquement. Trop beau. Franchement, c'est vraiment un style qui peut me vraiment beaucoup me plaire. Je vous le dis clairement. Et on a ouvert la porte du coup, je pense. Bien évidemment du coup, retrouver un épisode par jour à 17h30. C'est parti. J'ai hâte d'en savoir un peu plus. Donc du coup, on serait, je pense, Kena, une guide des esprits. Donc des esprits, enfin des âmes tourmentées quoi. Je pense, des âmes perdues. Ok. Wouah! Ce jeu de lumière. Ce jeu. J'en suis déjà tombé amoureux, les gens. Comme quoi, c'est fou, mais il suffit de 2 secondes pour qu'un jeu me tente. Et ce jeu, dès les bandes annonces, m'a tenté. Et me tente toujours autant. Ok, je peux interagir avec. Ok. Quel est ce jeu? Je sais pas s'il y a beaucoup de collectables, des trucs comme ça. La musique! Oh! Ok, on a vu des gens par contre passer.
some here somewhere. Bonjour. Where did he go? C'est fou parce que d'un point de vue cinématique, c'est magnifique, mais il n'y a pas de différence entre la cinématique et le jeu. Voilà, les petits êtres dont je vous parle, les êtres noirs dont je vous parlais au tout début. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Lancer une impulsion. Ah oui, ok, je peux interagir. Oui, pour interagir avec tout le monde. What, c'est quoi ça? Ah, c'est le petit. Ouais. Salut toi. Trop mimi. Ah mais ils sont tout petits. Hi. Oh, it's all right. What happened here, little guy? On va se regarder nos mains. Trouver les rottes. Les routes. Les rottes. Je sais pas. Le jeu n'a pas fini de m'émerveiller. Je pense. Appuyez. Ok, donc on a un système de double saut. Regardez, il est sur notre épaule. Oh, c'est trop mignon. Oh, j'adore. Oh, les gens. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé mon jeu préféré? Est-ce qu'on n'aurait pas... Attendez, moi je vois pas de mal. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé... Ok, ok. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé mon jeu préféré au moins de 2021? C'est bizarre que ça puisse paraître. Ça vibre par moment. Ici ça vibre. Oh. Oh, il y en a un autre. Oh, il est plus gros celui-là. Il est plus grand. Ok. Donc on a trouvé un sur 5. Et un qui nous suit. Et à mon avis, du coup, plus on va en avoir. C'est un peu comme les Pikmin, c'est le principe, je pense. A savoir, plus on en a, plus ça va pouvoir nous aider. C'est fou parce que... Je pense que maintenant, vous pouvez le voir. Je connais pas... Enfin, j'ai regardé que les trailers. Du coup, on connaît pas... Enfin, je connais pas grand-chose du jeu. Mais pourtant, le petit peu que j'ai vu, ça m'a totalement emballé, en fait. Et je crois que c'est... Je crois que c'est l'une des premières fois où un jeu me fait ça. Je crois que c'est l'une des premières fois où un jeu m'emballe autant sans rien savoir. Alors attendez. Y'a pas quelque chose? Voilà. Trop mimi sur notre épaule. Ah, attendez, moins que.
que vous pensez que si je fais ça... Ok. Donc voilà, ça reste de la plateforme classique. Wow. Wow. Je sais pas s'il est très long ce jeu. Il y en a 3 sur 5. Je sais pas du tout. Je sais même pas s'il y a une histoire de 100% ou quoi que ce soit. Pas du tout. On verra bien. Wow. What, c'est nous qui avons touché, c'est quoi ces créatures, c'est quoi? Ok, alors attendez, on va aller voir là d'abord. Récupérer pour purifier le cœur de cette zone morte. Ok, donc là a priori c'est la du coup la je pense la prochaine zone qu'on va obtenir du coup avec tout qu'on va obtenir dans cette. Tellement trop bien. Tellement mimi. Pardon, attendez quoi? Mais c'est trop mignon! Oh purée. Vous êtes fou de ces petits. Hi Benny. Cache-toi bien, Benny. Attendez, on est déjà venu ici. Ouais. Mais vous savez qu'un jeu comme ça... Ok, il y a du collectable. Il y a du collectable. Vous savez qu'un jeu comme ça, pour moi, c'est pas bien. C'est un jeu que je vais torcher en 2 secondes. Niveau 1. Vous effectuez plus d'actions. Votre équipe de compagnons s'est agrandie. Vous disposez désormais d'une action de route. Appuyez sur... pour lancer des objets... de l'environnement. Récupérez des routes pour monter le niveau. Gagnant plus de routes. Ok. Donc ouais, il y a vraiment une partie Pikmin, on va dire. Ok, et donc ici on n'a plus rien à voir, mais par contre maintenant. Ouais, par contre. Non. Activer l'impact. Ok. Donc on les a envoyés. Et à mon avis, voilà, on va les aider. Oh ouais, oh là là, oh, oh, oh. C'est trop bien, j'adore ce jeu. Et donc là, on est où là? Là, on revient au niveau de la cascade. Pas du tout. Pas du tout. Mais je kiffe.
conscient que c'est pas un jeu du coup qui va plaire à tout le monde, mais bon. Attendez, parce que là, du coup, peut-être la suite par là, je me dis. Encore qu'en fait, je sais pas, je sais même pas s'il y a une suite ou pas. De toute façon, attendez, je te dis si c'est la suite, mais en fait, il n'y a que là que je peux aller. Bien conscient que c'est pas un jeu qui va plaire à tout le monde, mais moi, en fait, ce jeu m'a conquis. Voilà, je vous le dis clairement. On est épisode 1, pour le moment, ce jeu m'a conquis. Là-bas. D'ailleurs, j'ai vraiment réussi à me paumer, mais... Ok. Wow. J'aime vraiment beaucoup ce que je vois. Ok. Chaque ennemi pour accumuler du courage. Dépenser le courage de combat pour effectuer des actions. Les gouttes de courage peuvent se former à travers le monde. Ramassez les gouttes de courage avec votre impulsion. Ok. Les robes, prêt. Ouais, donc en gros ils ont peur des monstres. Maintenez L2 pour viser et carré pour immobiliser les ennemis. Ah, ok, je peux les envoyer sur eux. Sympa. Sympathique. Ok, donc. Sympathique. C'est là qu'on récupère tout. Aïe. Allez-y, attaquez. C'est vrai que si je ne fais pas détruire le machin, ça peut pas y aller. Enfin, si je ne fais pas détruire le toit du entrepreneur, ça peut pas aller. Ok, c'est bon, c'est détruit. Tiens, une prise en main. C'est une prise en main qui est pas mine de rien évidente, mais c'est une prise en main. Ok, c'est détruit. Et donc on va pouvoir avancer. Ok, y a rien là. Franchement, graphiquement, trop mime. Et route peut déplacer certains objets de l'environnement. Appuyez sur carré pour que les routes ramassent un objet indiqué aux routes ou aller en visant avec L2. Ok. Ok. Pour le moment, lâcher. Ok, du coup, on peut les faire interagir. Ok. Ok. Ça leur fait quoi? Je sais pas. Mais ouais, je vois un peu. Bah, j'ai l'impression qu'ils sont plus grands, non? Je vois totalement ça comme des Pikmin. C'est trop bien. Il y a un mélange de plein de trucs qui m'intéressent beaucoup. Et puis le fait que les créatures soient trop mimi, c'est trop bien. À mon avis, ok, va falloir qu'il aille là. Je vais regarder si pas. Non, on n'a pas de quoi interagir là. Ok, donc les gars, je vais avoir besoin de vous. Vous pouvez me porter ça, s'il vous plaît. Ok.
Et vous venez me le mettre... vous venez me le mettre... ici. S'il vous plaît, les gars. Ah, c'est trop bien. Et le petit, il est trop mignon. Faut le lâcher. Voilà. Wow. On voit pas que ça fait 20, 25 minutes qu'on joue. Enfin, un peu moins d'ailleurs avec les cinématiques. Et... c'est magnifique. Ok, a priori la suite est par là. On va aller voir là. What? Là. Le renard. Et donc on peut vraiment lui faire interagir par contre sur plein de choses. Ouvrir, ok. Ok, donc on a une système, un système de monnaie. On a même deux systèmes de monnaie en soi. Ça non, on voit pas. On a deux monnaies, on dirait. C'est pas trop, trop. Je sais, on verra au fur et à mesure. On a le temps encore. Bonjour. T'as pas l'air gentil. Let me help you. I can heal these spirits and restore balance to the forest. I know your kind. You sense the power that flows through this land, but you do not fully understand it. Stay here, spirit. You must move on. You are the one who does not belong. I will never abandon my people. Ok, premier combat de boss. Appuyez sur L1. Ok, donc ça c'est un bouclier. Ok, mais je peux pas. Ok, pardon. Ouah, c'est chaud. Ok. M'en remets pas les cinématiques, s'il te plaît. Ok, on peut passer. Ouah. J'arrive pas. Ah, ok. Ok, ok, compris. Je viens de voir un truc. Ok, venez m'aider. Aïe. Ah, c'est pas évident. C'est un coup à prendre, c'est un coup à prendre. Ok. N'empêche, j'ai compris que maintenant, la barre bleue sous ma barre de vie, elle est très très utile.
Let me help. Aïe. Allez, c'est bon. Ok, c'est véritable baiser. Kena. You two doing out here, alone in the forest? Don't worry about us. We've been here a long time and take care of ourselves. I can see that. You Pourquoi ce dialogue n'était pas traduit? Do you know who that spirit was, with the horned mask? We don't know, but when he shows up, the gross poison grows stronger. Hey, what are you doing here in the forest? I'm searching for the sacred mountain shrine. Can you take me there? If you want to get to the mountain shrine, you have to help us with something first. Our brother Tar was trapped deep in the forest. We need you to help him. Great idea, Saya. That'll be easy for her. Did you see what she did to that stick guy? Help us free Tar and we'll take you to the mountain shrine. Come on, our village is this way. Ok, oh, on a 15, on a 8 sur 15, pardon. Ok. Vous savez, les mots que je m'apprête à dire. J'espère franchement et sincèrement, les amis, que cet épisode vous aura plu. On se donne rendez-vous du coup très bientôt pour le second épisode de notre aventure. Kena Bridge of Spirit. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait vraiment toujours plaisir. N'oubliez pas de liker, de partager pour cette toute nouvelle aventure. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être tenu informé par notification dès qu'une vidéo sort, surtout que maintenant en ce moment, il va y avoir vraiment beaucoup de contenu. Merci à tous. C'était Para. Rendez-vous dès demain. Même heure, même chaîne. Bien évidemment. Bye bye tout le monde. Allez, rendez-vous demain. Bye bye tout le monde.